Le gouverneur sortant du Mandoul Issa Dako a dressé le bilan d'un an et 5 mois de gestion de l'entité provinciale du Mandoul. Il en appelle aux différentes corporations socioprofessionnelles à plus de franche collaboration avec son successeur pour la continuité de l'administration. Le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, Liman Mahamat, a dans son discours de circonstance félicité le gouverneur sortant pour son dynamisme dans le maintien de la paix sociale et la sécurisation de nos frontières avec la RCA, tout en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions. La remise de l'étendard, symbole du pouvoir et de l'autorité au nouveau gouverneur, est un temps fort émotionnel. Nommé par le décret numéro 0507-PTPM MAT-DBG 2023 du 13 mars 2023 et officiellement installé ce matin, le nouveau gouverneur de la province du Mandoul, Dr. Andoum Fokteye Amadou, a exprimé ses sincères reconnaissances aux plus hautes autorités de ce pays pour que cette confiance renouvelée à sa modeste personne pour la gestion de la province du Mandoul. Le nouvel administrateur provincial du Mandoul, Andoum Fokteye Amadou, a sollicité le soutien de toutes les couches socioprofessionnelles pour mener à bien les missions qui lui sont assignées.